Allez, salut à tous les amis, c'est Des Maquettes. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la golf. Aujourd'hui, voilà les amis, ça va être pour l'application de la tarte de la golf. Alors là, c'est la première vidéo, elle va consister, on va venir baser. Hein, je ne sais pas si je vais faire tout avec vous, si je vais vous faire montrer. Voilà, je vais dire, bon, on va faire une petite vidéo sur l'application de la base. Ça force, bon, j'ai d'autres vidéos en arrière, hein, si vous allez voir dans mes playlists plutôt. J'ai pas mal de vidéos avec l'application de la base. Bon, enfin là je vais le faire avec vous pour la golf. Alors les amis, la golf elle a été sous-couchée bien sûr avec du primer microfiller de chez Accor. Celle-ci. Voilà, avec celui-ci. Comme d'habitude. Pour l'instant, j'ai pas changé de primer. Celui-là, il va très bien. Ensuite, les pièces là ont été aussi. Ont été préparés. Alors les deux rétroviseurs, la jupe à l'arrière, les deux pare-chocs et le capot. Alors tout a été poncé au mille, alors, du mille en mousse hein, tout simplement. Voilà les amis. Et puis quoi vous dire d'autre? Bon, on va attaquer tout de suite. Je vais redonner ma cabine, elle a été mouillée comme vous pouvez voir. Hein, j'ai tout humidifié le fond. Ça ici, ça a été nettoyé. Dégraisser, je vais tout simplement remettre quand même un petit coup et on va venir finir cette golf là. Comme ça, entre deux, je commencerai quand même. Je vois, par contre, je remercie quand même toutes les abonnés et ceux qui sont sur mon groupe que je vois qui publient les premières photos du montage de la Yamaha Virago. Bon, moi je la ferai aussi en vidéo. Bon, Vincent va la faire en vidéo. Je la ferai aussi en vidéo, tant pis, de toute façon, là, il n'y a pas de souci, vous savez très bien, maintenant, je pense que les abonnés ont très bien compris que c'était un montage en commun, alors lui, il la fera de son côté, moi, je vais la faire aussi en vidéo, hein. Je mettrai des photos sur le groupe, je la ferai aussi, comme je vous dis, c'était vraiment un petit montage pour s'amuser ensemble, mais j'en reprévoirai un autre à la rentrée, je vais raccrocher ça, voilà. J'en préviendrai un autre à la rentrée. On fera ça à la rentrée. Alors, je vais dire en début d'année. Et puis à ce moment-là, je verrai, j'offrirai quelque chose, une moto, une voiture. On verra ce qui est gagné. Si c'est une voiture, j'offrirai une voiture. Si c'est une moto qui gagne, j'offrirai une moto. Je pense que je vais procéder comme ça. Pour l'instant, on va rester sur une moto et une voiture. Voilà les amis. Allez, je vais allumer tout de suite la cabine. Alors je vais passer devant. Désolé. Bim. Je vais mettre mon masque, la peinture elle est prête bien sûr, c'est toujours la même, à la peinture violet. Et puis on va tout de suite attaquer les amis. Allez, je mets mon masque. Hop, voilà. Alors là, normalement, vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord commencer, parce que moi je veux quand même. Je fais un peu mes intérieurs quand même. Voilà. Allez, c'est parti. On commence toujours par la même chose. J'espère que vous allez bien, ouais. On commence toujours par les intérieurs. C'est parti. Voilà.
vu, ça fait un peu bizarre l'aspect, hein, les amis, quand vous regardez. Donc ça, c'est pas un souci, ça va être vite... Par contre, c'est bizarre, ça crache quand même un peu. Heureusement que ça se verra pas après. Vous voyez, regardez, quand je vous parle du voile de dépollution, regardez, c'est ça, vous voyez ce que ça fait? Voilà, mais c'est pas grave ça. Comme vous pouvez, voilà, on voit déjà le reflet, hein, je pense, violet. Alors je vais le sécher à coup. Ce que je vais peut-être faire avec vous, les amis, je vais simplement faire la carrosserie et les petites pièces, je vais les faire dans mon coin. Enfin, ça va aller plus vite au niveau de la vidéo. Hop. Sèche, comme vous pouvez voir. Voilà les maths. Allez, c'est reparti. Hop, je passe toujours les intérieurs, un petit coup dans mes intérieurs. Hop. Allez, c'est reparti là dans les intérieurs, les amis. On voit le reflet violet, il est magnifique, hein. Le violet, il est splendide.
Alors que vous voyez bien, excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais je suis concentré sur ma peinture. Comme vous pouvez voir, allez, le reflet violet, je vais le sécher un peu. Alors attention les oreilles, encore désolé. Les amis, le reflet violet, comme vous pouvez voir. Voilà, je vous fais monter, je fais le tour. L'application, regardez, nickel. J'ai quelques une ou deux pétouilles, on voit là au-dessus, mais ça, c'est pas grave, je vais bien les enlever après, c'est vraiment léger. Je permets. Hop, je vais enlever ça deux secondes. Alors voilà les amis pour cette petite, je vous ai fait une petite vidéo, hein. Moi vous avez vu quand même les deux applications de la teinte, hein, de la base, comme vous voyez bien, déjà là, déjà bien couvert. Le reste, je vais le faire là ici dans mon coin, je vais venir finir ça. Parce que là ici, je vais venir peindre ces éléments là, et moi je vais venir après faire un aspect, je vais venir positionner tout simplement le capot au-dessus. Pour moi faire mon petit dévoilage et pour dire que le capot soit à la même couleur que la voiture. Normalement, bon, il n'y a aucun souci parce que vu que s'ils ont les mêmes couches de fond, mais voilà, moi je par précaution, je vais venir peindre identique à ça. Dès que c'est sec, je vais venir positionner mon capot et je vais venir finir ma couche finale complètement avec mon capot dessus. Mes amis, voilà, vous voyez un peu déjà l'aspect violet, et bon, elle n'est pas vernie. Alors là, je vous dis pas c'est quand on met le vernis, l'aspect violet, comment il va ressortir. Avec la calandre rouge et tout, je pense que ça va, voilà, ça va déglinguer. Franchement, elle va être superbe cette petite Golf. J'ai commencé à préparer les feux de mon côté, les amis. Je voulais vous faire montrer. Alors les feux arrière, voilà, j'ai fait le rouge. Il me reste le orange à faire. Voilà, le rouge il est fait. C'est pour ça que je vous dis, dès que la carrosserie est faite, après c'est que de l'assemblage. J'ai aussi préparé toutes mes vitres. Hein, vous allez voir, j'ai fait tous mes masquages de mes vitres. Je vais vous faire montrer ça. Voilà, toutes mes vitres, j'ai fait tout le masquage pour moi faire tous mes petits joints noirs, hein, ils sont tous faits. Voilà. Par contre, j'attends parce que sur la carrosserie, j'ai du noir à faire en satiné, alors je vais le faire en même temps. Mais voilà, sinon tout le masquage de mes vitres est fait, et puis je vous dis, on arrive à la fin de cette petite Golf. Bon, il y a encore un peu de travail. J'ai avancé aussi sur la Christine, alors je vais vous faire montrer vite fait, vous me direz un peu ce que vous en pensez.
Voilà la Christine, c'est bon, j'ai fait mon côté, regardez, les barres métal sont faites, vous voyez, j'ai travaillé dessus. J'ai fait aussi le ciel de pavillon, mais bon, pour l'instant, j'en mettrai une dernière couche après. J'ai fait, alors ici, l'intérieur du capot, je vous fais montrer, même c'est cette vidéo-là de la Golf. Hein. Ici, au milieu, je vais venir mettre de la petite feutrine noire. Ici, là et là, je vous dis, voilà, je travaille dessus, vous voyez, comme ça. Là, il va y avoir de la feutrine sur les trois parties. C'est pour ça que je le fais directement, voilà, ici, bah, ce côté-là, vous me direz, mais normalement, bon, pour moi, ça va, hein, c'est les chromes sont bien, après, mais je vous dirai avec quoi j'ai fait les chromes, vous allez rigoler. Voilà, ça c'est bon, là, ça tient. Ici, il faut que je refasse, là, ce côté-là, venir faire là, et puis après, je ferai, voilà, bon, j'avance un peu dessus, les amis, vous voyez bien que j'avance aussi sur ma Christine. Tout doucement, mais sûrement, on y arrive. Ça va être terminé. Mais je vous dis, je vais laver mes pièces de la Yamaha parce que c'est pas encore fait. Et puis, je vais peut-être commencer en cours la Yamaha. Mais voilà, je vous reste, c'est terminé cette Golf. Comme ça, il me reste plus que la Christine en cours et puis la petite Virago. Voilà, bah là, franchement, je sais pas comment vous allez le voir vous en vidéo. Mais je pense là, ça, c'est super bien. Allez, voilà. Voilà, les amis. Bon, de toute façon, on se retrouve bientôt. Alors, je pense... peut-être demain, je ferai la vidéo demain. Pour le vernissage, là, on va se passer... Alors là, je vais vous faire le vernis avec vous. Et puis, toutes les autres pièces seront peintes en couleur de la carrosserie, les amis. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, rien du tout. Voilà, les amis. Alors, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Parce que là, on est samedi. Je vais essayer de vous mettre la vidéo tout de suite sur ma chaîne. Et puis, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont encore arrivés. Je vois que ça monte. Félicitations à mon poteau Vincent qui atteint ses 900 abonnés. Félicitations à mon poteau. Et puis, voilà, bah, et que ça continue. Et puis, voilà, moi, c'est très bien. Ça monte aussi, c'est très bien. Et puis, je remercie tout le monde, tous les abonnés. Et là, les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce. C'est ce qui nous fait avancer un peu. Voilà, surtout si... c'est pas une obligation, mais voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce, ceux qui regardent mes vidéos sans vous être abonné, les amis, si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien, et puis si vous aimez bien, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas aussi mon adresse mail, les amis, ldmaquette59@sfr.fr, si vous avez des questions à me poser ou quelque chose à me demander, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis voilà les amis, bon je vous dis à très vite, à très bientôt les amis, allez bon week-end à vous, protégez-vous bien, ainsi que votre famille, et je vous dis à très vite, à très bientôt, salut les amis, bye bye.